Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre fidélité. Nous poursuivons notre cycle sur le réveil de la conscience, et aujourd'hui, nous allons aborder un ouvrage fondamental. Le manifeste de la dualité égo-conscience, également connu sous le nom de DEC. Cet ouvrage nous éclaire sur le mécanisme de la conscience. En partant de nos sens qui perçoivent jusqu'à la réponse appropriée que nous pouvons apporter, tout en explorant comment ce processus est parasité par nos poils affectifs. Que nous appelons ici « ego ». L'ego, en effet, est constitué de nos poids psycho-affectifs, formant un moi psychique congestionné. Au fil de l'histoire, différents modèles d'ego ont émergé, allant des idoles de pouvoir aux idoles de sainteté. Ces dernières, bien que souvent perçues comme positives, peuvent également piéger le spirituel en l'amenant à s'identifier à des avatars psychiques, tels que le sage ou le saint. Cette identification peut devenir une entrave à notre véritable évolution spirituelle. Il est crucial de briser ces idoles, car elles ne font que multiplier les gourous et les faux guides. Comment pouvons-nous y parvenir? La réponse réside dans l'utilisation de la conscience analytique. En développant cette capacité, nous pouvons commencer à distinguer notre véritable essence de l'ego qui nous conditionne. Cela nous permet de voir au-delà des illusions et de retrouver notre connexion authentique avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. En conclusion, je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces concepts dans votre vie quotidienne. Comment pouvez-vous commencer à identifier et à libérer votre conscience des poils affectifs qui vous retiennent? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker les vidéos pour nous encourager à vous apporter encore plus de contenu enrichissant. Merci de votre attention, et à très bientôt pour notre prochaine discussion.